Manta Timpom ya pesé, si ya pa antijos in yimba. Mpe ya pango jomishuni, a long chung te yimbawe. A jo pango party mhum tet, anemishuni, le long chung te yimbawe. Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue yimba. Comme je l'ai dit, ceci est la partie 30 sur les phrases pour améliorer votre yimba. Et j'ai mis dans la barre de description des fiches contenant des phrases pour améliorer votre yimba. Il y aura donc une fiche contenant de la partie 1 à la partie 20, une autre contenant de la partie 21 à la partie 40 et ainsi de suite. Un regroupement à chaque fois de 20 cours vidéo en fiche sur les phrases pour améliorer votre yimba. Mishungnele lok nchungte yimba ou. Les phrases pour améliorer votre yimba. Pesez mfini. Pesez mfini. Qui signifie essayer encore. Pesez mfini. Essayez encore. Atisi njuo. Atisi njuo. Qui signifie il n'est pas en train de comprendre. Ou il ne comprend pas. Atisi njuo. Mrezo pip. Mrezo pip. Qui signifie j'ai acheté le ventilateur. Mrezo pip. J'ai acheté le ventilateur. Aprip. Aprip, si c'est le ventilateur. Aprip. Aprip ndemte je lumja lemte. Aprip ndemte je lumja lemte. Qui signifie le climatiseur fait que la salle sent bon. Aprip ndemte si c'est le climatiseur. Aprip ndemte. Aprip ndemte je lumja lemte. Paie pas le ton ni. Paie pas le ton ni. Qui signifie éviter de crier ou vous évitez de crier. Père le cot le tongni. Père le cot le tongni. Qui signifie faites attention au cri. Ou bien vous faites attention au cri. Père le cot le tongni. Faites attention au cri. Ou bien vous faites attention au cri. Jeté et tout le jour. Jeté et tout le jour. Qui signifie attends ton tour. Ami, est-ce que. Ami isenge qui signifie ça finira quand. Ami isenge ça finira quand. Remarquez que ça c'est le verbe fini qui a été conjugué. Ça ici ça a le ton moyen. Si ça avait le ton haut, ça devait être l'équivalent de l'imi qui est avalé. Maintenant on, phrase suivante. Ami zo. Ami zo. Bon ici c'est zo, c'est ça le ton haut. Ami zo qui signifie ça finira demain. Ami zo ça finira demain. Alkemi zo qui signifie c'est fini hier. Alkemi zo c'est fini hier. Nyingetu ra qui signifie il n'y a personne ici. Nyingetu ra il n'y a personne ici. Anune. Anoune, qui signifie c'est vrai. Ngang, alte anoune. Ngang, alte anoune. Qui signifie non, ce n'est pas la vérité. Ngang, alte anoune. Ce n'est pas la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Aujo, aujo, qui signifie elle est partie. Aujo, elle est partie. Aujo, aujo. Qui signifie elle partira. Ajo, elle partira. Ici on dit ça comme si on était pressé et avec un ton un peu plus haut. Alors quand ici c'est plutôt avec un ton un peu bas. Là les deux, l'un c'est le passé, l'autre c'est le futur. Pêche à paix, mêlée la mer. Pêche à paix, mêlée la mer. Qui signifie profiter de votre séjour. Pêche à paix, mêlée la mer. Qui signifie attendez ici. Pesuiti ira a attendez ici. Pombop tewuk. Pombop tewuk. Qui signifie ils nous ont menti. Pombop tewuk. Ils nous ont menti. Ponda tewuk. Ponda tewuk. Qui signifie ils nous ont menti. Bon, sachez que le popti et le lati. Hein, les deux, ce sont des verbes qui disent la même chose, mais qui s'écrivent différemment. Pombop tewuk et ponda tewuk. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur les phrases pour améliorer votre yimba. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Bye bye.